bonjour. Bonjour, nous sommes journalistes. Bonjour, nous sommes les mécènes qui ont été dans Congo Live Télévision. Plus de 151 000 abonnés bas à scotché à travers notre chaîne Congo Live Télévision. Actualité politique est beaucoup plus dominée. Na voyage au chef de l'État, Kosa Lamikolo, et pour na coloca toujours Kimia, la partie est démocratique du Congo. Récemment, tout le monde est allé à Bujumbura, précisément à Burundi. Après Burundi, ces journées, na Congo Brazzaville, après Congo Brazzaville, il s'est envolé vite. Na loin, na pour na Kosa la contre-rendu à ministre sommet Oyo, et sommet extraordinaire plutôt à l'échelle au Salama qui connaît na Burundi. Il y a la communauté d'Afrique de l'Est plutôt terminé dans Luanda, sans vouloir qu'il y ait encore dans l'Afrique du Sud pour assister à la mini-soirée pour la Côte minière et le Soumakambo et l'Italie, toujours est, il y a une partie du Congo, tout le monde population, il y a Goma. Oyobako s'est manifesté depuis le lundi. L'activité socio-économique ou bien scolaire est allée paralysée dans la ville de Goma. Pour nous rester la demande, il y a retrait, il y a Bailly, force régionale et Tokobet Makambo est allé toujours nord qui vous connaissez tout le monde, Bailly, FARDC, Bazongani, Kongunana, Kounana, M23, pour nous Benga, Naba, Enemi, Naba. Le territoire va occuper. On nous signale que la FARDC a continué à progresser, à récupérer quelques villages où ils allaient occuper par M23 qu'on a dans le territoire à Massissi. Et enfin, tout le dossier OEU qui a dérangé, bien que Tia Makele est sur l'actuel ou bien dans les médias congolais, dossier Makata Pogno, l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et bien que le Banarondon, Manakuna, qui est Matata Koloba, Nicolas Silaï, qui est aidé pour aider entre 2012 et 13 par un dossier parcellaire, Nicolas Kazadi, qui est aidé preuve, sinon il va lui traduire en justice encore une fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Ndeko journaliste. D'entrée du jeudi de la rabo, mais avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, moi, je vais vous parler d'abord de la question de santé politique et République démocratique du Congo. Oui, santé politique et la République démocratique du Congo, ils allaient que se porter très bien, sauf que dans l'Olomissou, ils allaient toujours côté la République T. Ndenge bazali ko kanisa été république ezali moi province ya ba territoire to ya ba pays na bango ba dirijaka de bazali ko déranger est ya république, mais vu que président ya république azali déjà déterminé pour na koyeba ko kotisa kimia na est ya république, c'est-à-dire qui veut la paix prépare la guerre, raison pour laquelle omoni tozali ko préparer guerre et guerre wana et kozala imposé pe to rosi lisayango qui met au côté na est ya république bande konyon so ya est ya république na pesi bango bote qui mia pesa la na Goma bande konyon so baza na Goma qui mia au côté Goma et ko tomber ata mukolo morote mona mboko na uchu ko ko lobi awa boko imposé guerre. Vous remarquez que voie diplomatie et siliko simbaté bonoko ganga awa diplomatie agissante à chef de l'État, apparemment tout monde diplomatie kemi échec total mona mboko beaucoup de quoi envisager voie ya guerre mona mboko. Non, diplomatie ezali na échec total té parce que diplomatie ezali mais ils ont échoué parce que diplomatie c'est le comme mais le côté moi dans mon côté la non diplomatie Congo, diplomatie n'est mais Rwanda apparemment diplomatie n'a ezali influent au niveau d'Afrique pour que n'a pas mini sommet toujours la session de sommet extraordinaire, rien ne marche au niveau ya est république quand tu non diplomatie ya onde est porté ba fruit ya malamu ya ngo moni le Rwanda abimi na miso ya batunyo surtout ya communauté internationale que non, Rwanda est un pays agresseur et la République démocratique du Congo. Ceux qui ont une diplomatie, mais les Rwanda ont toujours au ça la hypocrisie et à ça la cabo mba congolais pour aller bakotong à Namboka naï et les lots comme on a par exemple Sesak est décidé déjà bah médias rwandais et les calices soient en Congoté. Au moins tous ceux qui ont déjà la guerre où ils allaient physique entre armée rwandaise où ils allaient coopérer sous forme à M23 groupe terroriste et les l'autre côté pe na média République démocratique du Congo est décidé à suspendre ba chaîne nyonso et à la radio où est metaka à partir à Canal Plus nanzela ya Rwanda et ba sous ko émettre dans République démocratique du Congo, c'est-à-dire
nous irons des ruptures en rupture. Et les lots au monde, par exemple, question Italie, aviation civile, au monde qui est au Pékin, c'est déjà avion rwandais, toute compagnie aérienne. Il y a Rwanda et Balsusko traversé le territoire congolais aérien. Donc, ils ont déjà, ils ont dit qu'ils ont une rupture, ils ont une rupture totale, et ils ont une guerre vraiment totale. Parce que ceux qui ont lobby étaient dans la diplomatie et simité. Non, diplomatie et simbi. Parce que sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, tu as une action concrète au diplomatie, c'est comme même ma peau. Oui, sur le plan diplomatique, d'ailleurs, nous avons réussi à démanteler les réseaux qui continuent jusqu'à présent de tuer les Congolais depuis les années des années. Les alliés, choses, les alliés qui facilitent. Mais le président de la République a réussi un concert au Rwanda. Et Abimisi Paul Kagame, le parrain, il y a bah, terroriste dans le monde, où il y a un moment, bah, Congolais à l'Est et à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, diplomatiquement, nous avons réussi. Et pour Nabino, pour Nabomo, on a été diplomatique réussi, il fallait que nous avons annoncé au Kati relations diplomatiques dans le Rwanda. Non, non, nous venons vers là, mais il y a le processus où il y a un Dakar, Malembe, Malembe. On est déjà. Relation na bango na biso na nzela neti par exemple tu expliques ça ambassadeur rwandais na bango akenda et les locaux mona compagnie aérienne na bango de sito kati bay basus ko kota na territoire congolais et les locaux les sous lobby au moni déjà bazali ko les locaux disons les locaux mercredi bazali déjà ko kata déjà ba signal ya ya ba radio na ba télévision oyo emeta kanzela kana plus RDC basali ko kata déjà signal ya Rwanda, c'est-à-dire c'est un message fort et trokene na yango bongo ti rupture totale et kokota et au moment finalement guerre et comment entre FARDC na armée rwandaise ezali RDF na sima ya opération ya M23. Très bien, moi na mboka Fabrice Belanga tous le kobeta makambo etali visite bien ba voyage ya chef de l'état dans moins d'une semaine le chef de l'état a visionné 4 ou 5 pays d'Afrique. Toujours la volonté à la Renango pour la Kimia, la République du Congo, plus précisément la partie Est de la République du Congo. Tout le monde est chef de l'État. Après plusieurs boycotts, il a été en Paul Kagame, mais enfin, il a accepté d'aller assister à la session extraordinaire du Comité Afrique de l'Est. Le chef de l'État congolais a pris part juste après avoir part à Nassonouana, à Silek, à Brazzaville, à Brazzaville, à Sikoké, à Luanda. Et le lot, c'est que la Kuna Namboka et Afrique du Sud, le lot, est-ce que ça peut apporter quelque chose sur le plan sécuritaire? Il y a Est, parce qu'on l'a vu avec la ministre, mais il y a Luanda et c'est que le lot, comme on côté, tout est un processus de paix à Nairobi, rien du tout. États-Unis, c'est 77e Assemblée générale des Nations Unies, rien du tout. Est-ce que session extraordinaire aux communautés Afrique de l'Est et c'est que ça, là, beaucoup plus qui penchait sur la situation sécuritaire et sa rémunération du Congo. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Non, non, nous allons toujours espérer quelque chose. Nous allons toujours Pourquoi? Espérer quelque ah, chose. Ah oui, nous allons espérer. Mm. Parce que les lots dans la République démocratique du Congo, tout dans le monde, n'est pas allé au Yo. Moutou Mokote a voyé que la Moukanatongo a lobby. Bon, moi je suis à Kinshasa, je suis à Gombe, dans 50 000 francs, je suis en poche, je suis en train de 24 communes et la ville à Kinshasa. Kakaboye sans Kulukaelo qu'on a ça la tourisme non non et Mutabongo Azalité c'est comme un parent qui se réveille le matin et le parent sort comme ça il est allé c'est durmilé et après il rentre à la maison sans rien apporter à la maison ils allient totalement normalité bah voilà j'ai apprécié en République c'est un message fort vous savez en matière au Italie et diplomatie tout diplomatique Ndenge Zaliwana, président de la République, a koki ko bimate a kende ba réunion oyo bazali ko lobela République démocratique du Congo mboka oyo ye azali ko kamba sans que ye moko azala. Na sommet wana, président de la République to République démocratique du Congo, to réussi d'abord un cessez-le-feu immédiat. Et au moni na sommet wana tango décision wana ezwa maki, mais ba rebelle terroriste ya Rwanda bah eba qu'ils sont quoi attaqué monko ya hélicoptère ya Monesco ils allaient c'est à dire message au bah on peut bah pécie
Du coup, bah, il y a ici, bah, on va qu'il y a cessé le fait immédiat, mais bah, on va répliquer, bah, bêti déjà, hélicoptère et à MONUSCO. Mais cela veut dire qu'ils n'ont pas pris en compte ma recommandation, c'est-à-dire qu'il y a une session extraordinaire, il y a le comité Afrique de l'Est, moi, là-bas. Oui, mais la question est simple. C'est Kagame qui gère le M23. M23, ils allaient armée rwandaise. Masqué dans le combo, il y a M23. C'est Paul Kagame qui gère. Paul Kagame gère à gauche et Paul Kagame à droite, ils allaient co-signer. Comment expliquer le chef de l'État, il y a EAC, c'est l'effet immédiat. Mais au moins, Paul Kagame a instruit à M23 pour frapper. C'est-à-dire que c'est un message où il y a Azali qui fait ça en cachette. C'est ce qui nous fait mal au fait, moi, la Mboka, tout que nous avons un angle où il y a analysé dans l'ensemble cette situation sécuritaire, il y a Est et puis la présence des forces régionales. Le Rwanda est membre de cette organisation. Le Rwanda a financé le déploiement, il y a Bahi, soldats, il y a forces régionales au Bazali, il y a différents pays. Le Rwanda, il a eu à voir des officiers, il y a qui déployé dans l'Est de la République du Congo. Est-ce que le même Rwanda aussi, au fait, j'allais dire, il soutient le M23. Beaucoup pensent vraiment que force régionale Rwanda et que ça a quelque chose, tandis que le Rwanda met ses moyens en jeu dans la communauté Rwanda. Oui, et au ça a quelque chose. Comment? Dans les prochains jours, au moins en force régionale et quoi est pour répliquer parce que mission n'a pas moins à la qui y a quoi imposer qui mien basali bateau bah été pour la négociation bisoto et bako solo là non M23 bah terroriste tout oui qu'au solo là bah parce que position et à gouvernement ils a net et clair il y aura pas de négociation avec les Rwanda dans là y a M23 comment expliquer bateau et basali bah rebelle bah terroriste et le rôle la M Azali qu'ont utilisé bah Soudan a masqué bah le rôle la Azali bah terroriste congolais non ce n'est pas normal communauté il y a Afrique de l'Est bah tiendi déjà base na bango Azali ou na Goma bango bah voyez bah que ça la mission to quoi accomplir mission bah tiendi bango et ce n'est pas le gouvernement rwandais ndé tiendi bango wana Azali gouvernement congolais ndé endimaki bango baya pour pas imposer paix dans l'Est de la République. Et ceux qui vont coopérer pour l'intérêt à Rwanda, nous allons les envoyer au Rwanda. Parce qu'ils vont dans le territoire rwandais, dans le territoire congolais. Alors, ils ne doivent que respecter l'accord de l'EAC. L'accord de l'EAC, c'est l'accord de Rwanda. Il faut imposer Kimia. Et au prochain jour, ceux qui vont avoir une incapacité notoire, il y a ça la contre-offensive, alors nous allons voir comment nous allons les expliquer. Il fallait voir Nabaye Bakozonga parce qu'en politique, tout rapport des forces entre les États et ceux qui ont un intérêt à Rwandais, tout le monde tout simplement Baye Bakozonga parce que mission na bango ezala kité pour pouvoir protéger ba Rwandais na sol congolais. Très bien, moi na mboka to bete makambo etali visite ou bien voyage à chef de l'État ou est-ce que assister na conférence minière internationale ou est-ce que na mboka ya Afrique du Sud, le chef de l'État congolais toujours soucié à ko faire développer l'économie à République démocratique du Congo, il invite des investisseurs de venir investir en République démocratique du Congo, mais tout en épingla que malgré la situation sécuritaire n'est pas stable, le chef lui-même reconnaît que la situation sécuritaire ya mboka ezali les alliés Kimiate, malgré ces 4 dernières années, n'a pouvoir. Mais au moins, Kimia dans l'Est et la République, la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo, et qu'il faut s'améliorer d'un coup à un autre été. Très bien. Ou encore, il faut ça là, une fois qu'il est non, au commun en pouvoir, Kimia est quota. Et au côté, il faut que parce que les alliés, système où bah, prédateur, bah mais ça n'a déjà bah installé déjà tout bah et bah déjà pour instaurer la République démocratique du Congo pendant les années c'est-à-dire des décennies et le président de la République a coquille du coup commettre en haut feinté mais c'est toute une procédure où tous allés coquendeler vers la paix totale parce que les lourds mon Rwanda a déjà démasqué mais en dehors du Rwanda
Ezali pe na ba pays mususu voisin oyo bazali en catimini, c'est-à-dire Rwanda déjà te démasqué yende acteur principal et azali na ba co-acteur oyo bazali na kati ya insécurité à est ya République. Et na yango chef de l'État ceux qui azalaki na conférence ou azalaki na Afrique du Sud, c'est tout simplement parce que ba minerai ezali na République démocratique du Congo, minerai ezali na Rwanda te. Et ba investisseurs oyo bazali na secteur minier ba koki ko kende ko s'installer na Rwanda te parce que Rwanda azana ba minerai te minerai za officiellement na République démocratique du Congo. Président de la République a lancé le ba mon message ezali officiel ba ya ba investir na République démocratique du Congo bisonde ba tutozali na ba minerai et Rwanda azana ba minerai te Rwanda abomaka ba congolais po ayibaka ba minerai akenda na yango na na Rwanda. Et le logo la présidente de la République azali déterminé pour na co-instaurer paix to kimé ba kokota na est ya République. Et le Rwanda ne va plus vivre. Et si le rôle la Rwanda au vivre était, il fallait à multiplier tension et belé na est ya République, il fallait à multiplier ba système o ezali ya insécurité M23, il fallait aye ba ko bundalisu sou makasi pour ça la loco la réellement vraie insécurité ezali, mais le vrai problème c'est ezali ba minerai congolais nde ezali ko ça la été production en Rwanda comme pays ezala, mais le lo régime ya Paul Kagame ba komi na chaos parce que président Félix Antoine, mais ba komi na chaos parce que le président Félix Antoine Tshisekedi dit-il le mot azali loco la président Oti Kolekate et azali na copté hier azali Oti Kolekate par là vous voulez dire quoi maintenant parce que le mais je veux dire quoi parce que sur terrain azali régime Félix Antoine Tshisekedi même te résister. Non mais azali régime na biso ya Félix Tshisekedi né azali commettre fin na insécurité to azali régime oyé na système ya ko imposer kimia na est ya République. Mais lelo par exemple comment pendant 18 ans le régime passé a été là, mais il y avait toujours l'insécurité à l'est de la République. Les Congolais mouraient comme si on n'avait pas un président de la République. Et lelo yo Rwanda tira la paix ko yebate ke yemta agressa abiso et yebaniga na mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire ezali question moro ya ko louer en haut to tika mona mboka travailler au moment dans qui met au côté dans est de la République parce que les Rwandais ne produisent rien. Les Rwandais ne produisent rien. Très bien, les Rwandais ne produisent rien. On rappelle qu'on a reçu pour vous Maître Fabrice Belanga, le cadre de l'UDPS. Avec lui, nous sommes en train de parler de toutes ces questions d'actualité. Et comme vous le savez, comme on l'a vous informé en temps réel sur notre devoir, moi, Namboka, et bah, politique, bah, vous continuez toujours comme ça, là, bah, analyse, là, bah, par rapport à la force régionale, la force régionale de EAC et Zali, c'est une arnaque politique militaire. Oyo, Bazali, bite, là, bah, comme ça, la balkanisation, il y a la République démocratique du Congo. D'après vous, comment vous analysez ce propos? Non, question il y a balkanisation. Ce qui est allé pour la balkanisation. Bah, répétez que c'est une arnaque politico-militaire dont le dessein est de participer à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Non, les Congo ne sera pas balkanisé. Malgré bah rebelles, tout, bah terroristes, planifia déjà balkanisation à partir de la constitution et de la République. Vous savez, cette histoire il y a balkanisation. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, Congo est causé à la balkaniser car la mingité. Congo est causé à la source causé à la balkaniser tant que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera le président de la République démocratique du Congo. Okay. Et là par exemple au Congo non, balkanisation et à Congo bah implanta et en auto bah instaura déjà et en la constitution de la République. À l'époque quand je rentrais en arrière au Congo non, pendant le président Mobutu. Tozalay na combien de provinces. Et tant que Kabila le père aye, Kabila fils aye à Koti, Tozalay qui na déjà Tokoma qui na 11 provinces. Et ba y a un système constitutionnel où ba y a qui ko instauré, toya ko comment, toya ko longwa de 11 provinces à 26 provinces. C'était déjà la balkanisation, toute la division où ba na y déjà ko instauré na ba tête ya ba congolais. Et aujourd'hui avec les 18 ans, il y a mandat passé. Bino bosepeli nenge ba kabola ba province 7. Tokomi na ba province nenge tokomi na 28 provinces. Aussi longtemps,
pendant que Zalaï na 11 provinces, insécurité Zalaï toujours dans l'Est de la République. Et aujourd'hui, il y a Kabole Libiso 26 provinces, il n'y a pas longtemps, soit en 2011, Kabole Libiso 26 provinces, soit en 2012, au Roumon, dans l'Elo, insécurité Zalaï totale. La question est Zalaï, il y a balkanisation, ba planifier y a déjà Bandakala, tant que Zalaï, raison pour laquelle le fait Étienne Tshisekedi. À Bandaki Koloba, Bobo et à Constitution Wana, à Ebaki. Et Lelo, moi je lui donne raison qu'il repose en paix ici qui est Azali. Parce que Lelo est mon ami Sopolele. Balkanisation Zalara déjà la Constitution et la République démocratique du Congo. Bah instaura déjà Yango. Comment expliquer que Zalaki dans 11 provinces, bah yé, bah tiè toko mana dans 26 provinces, pour n'a pas divisé beaucoup plus bah Congolais. Et Lelo toko mina 26 provinces. Insécurité et yel sous Yamakasi, pour ba yebaki, ba place qui déjà, ba nabango, naba point ou yobango, ba yebaki ko placé. Et le lo, comme on a par exemple une armée. Armée, tokomaki na armée, armée aux alliés républicains, mais au moment on a armée, il y a eu les étrangers, il y a eu des brassages. Ils ont créé des mouvements, il y a ba groupes armés, pour ba intégrer, ba on a Katia Fard, et c'est ba fragiliser la République. Et le lo, comme on a jeunesse, il y a la République démocratique du Congo. Et Bélé, ils allaient jeunesse, ils allaient marche-pied. Et jeunesse, ils allaient se couiller, bah, vraiment. Bango, bah, prépara qui déjà, Kuna Bango, mais malheureusement, Kuna Bango, que réussite, parce que, biso, tous allaient, bah, jeunes, tous allaient appeler, y'a qu'on relevé Bango. Comment Bango, bah, comme Mikolo, bah, banda, koye, bah, qu'on prépare, relève, na jeunesse, t'es. Et les lots, comme on a, Bango, bah, zo, l'ingara, bah, démerer. Non, non, nous allons changer les choses. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Très bien, moi, Mboka Fabrice Belenga, tout le monde, vous avez dit que Nord Kivu, Fardé, c'est pour continuer, que nous avons un M23, d'après les informations qui nous parviennent, Fardé, c'est Basili, qu'il y a quelques villages occupés par le M23 qu'on a dans Masisi. Comment expliquer cela? Le Fardé, c'est qui est déterminé d'éradiquer tous ses ennemis dans l'Est du quartier du Congo, mais cette FARDC, en quelque sorte, ils allaient vraiment équiper dans le ligne de sécurité. Les locaux qui ont fait FARDC, c'est qu'on a M23 dans quelques villages, ils allaient occuper qu'on a dans Masisi. Comment vous analysez ça? Non, nous allons toujours soutenir notre armée qui est le FARDC. Très bien. Parce qu'ils allaient armée Oyo. Ils allaient à Bissou, bar Congolais. Il y a un autre qui va soutenir. Force Nabango. Il va toujours défendre le territoire national congolais parce qu'ils allaient mission va Pesaki Bango. Mais les rebelles, il y a terroristes et il y a M23 utilisés par les Rwanda. Bah, qu'on sentir monter à puissance et à FARDC. Oui, bien sûr, FARDC, Zalakina nous équipait sur le plan organisationnel parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'infiltrés, dedans. Et les loyaux, FARDC, Zalakina a réussi à déloger, infiltrer au Rwanda et au Salé, dans la 4e armée, pour fragiliser FARDC. Les lots romans dans FARDC, Azali Kobunda, car on a mandé Kyoyo, y est Azala Kinayango. Mais il y aura les armements, l'équipement, avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Azala qui déjà décidé, il y a qu'à changer la situation sécuritaire, il y a la République démocratique du Congo. FARDC est qu'on monte en puissance et qu'on a même troisième ou deuxième de l'Afrique. FARDC, Azali Makasi, mais faiblesse, Nabissu Azali. Parce que Rwanda a eba qui co-infiltré Bissau tina au sommet. Et du fait que a eba co-infiltré Bissau, les lois mona batubalubaga Rwanda a infiltré son armée. Les Rwanda nous a infiltré partout. Même dans les médias, nous avons des journalistes rwandais. Ok. Au bas infiltré Bissau. Na ba société, ba entreprise, tous en bas rwandais, au bas infiltré Bissau. C'est-à-dire Rwanda infiltré Bissau na niveau zéro. Et les lois au moins n'emboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tant que mon ya lobaki ako longola système dictatorial au Ezali ya baebaki kotia ngo ya des années et système wana mon amboka a meki déjà kobunda et Azali ko reçu na ko démanteler yango mon réseau ba tu ba sali déjà à 18 ans 20 ans 22 ans
Le même bâton, il y a 18 ans, 20 ans, 22 ans, il y a un régime qui n'a pas de poste. Non, non, non. Il y a un poste. Le problème, c'est quoi? La mère Mende a un poste, mon amour. Non, la mère Mende est... Bon. Non, on ferme la parenthèse, vous pouvez continuer votre analyse. Moi. Nous, on n'a pas de problème avec Bazali, ceux qui Bazali... Le problème, c'est l'autre bout, c'est l'autre. Par exemple, Neko Otagiwana, à Salaka Moussala Nae, à Salaki Moussala Nae, à porte-parole et à gouvernement. Et ceux qui essayent, par exemple, Baloukana casting, Moutoua Osala Moussala Wana, ceux qui basuyent Ezali Mabete. Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est non, dans le but, c'est que Ezali est dans le casting, Baroui Kota la casting. Ceux qui battent réellement casting et à Moutou, Azali compétent. Pourquoi pas le mettre, pourquoi pas les placer? Et peut-être mon a yé ce qui a sala qui bon parce que qui ko géré malamte. Et ali loko la ko mon a lelo. Mon a moi si o ya balina onte ba ben araye azali ce qui ndengeni. Mais ce qui o zuyé o instruyé alanda mayo lingi akoyo kanae. C'est-à-dire botika bandeko bazala ina régime passé. Bazala basale la kita na bango ba paiement. Mais question Zali à relève, parce que tous les soutiens à Posaya, Kaka Bango Bazalaka, République Zali pour Nabangote, République Zali pour Nabisonyoso, et pourquoi pas yo, Moutouzola Nabisope, Okomana, na place au Bango Bazalaki. C'est-à-dire, la République appartient aux Congolais. Okay. Zali pour na quelques caciques qui a battuté, bas s'approprier République locale à Zali. Matériel privé n'abord. Très bien, moi n'amboka le tout seul comme on a depuis Mukolo y a lundi, qu'on a na vu la gomme, bah activités allaient paralyser du côté socio-économique, même si bah activités scolaires qu'on les allaient paralyser, la population très déterminée que la force régionale puisse quitter le sol congolais, précisément la partie est, bah il faut occuper un signal même il y a eu un mort, lors il y a des marches, il y a marche n'abord. Oui, marche à bande de société civile au bazali ko sala na goma. Ezali malamu, ezali malamu, mais question ezali basala yango pacifiquement parce que na sima ya marche wana to ceux qui ba bengi population et marcher contre force régionale. Ezali malamu, bango batu bazali kuna bazali ko vivre oyo force régionale ezali ko sala. Et conseil biso to yiko pe ça. Et vous allez être baïba peut-être dans quatre ya bangwana ben infiltré ba royer ko sala boye ko senga marche ba accorder bino marche bo sali malamu mais tant que ba infiltré ba ko sala et ba royer ko utiliser ba moyen mususu po na ko ye ba ko sala perte ya ba vie humaine et vous allez payer malamu te responsabilité ko zone la bateau yo baïba peut-être ko organiser non la police tout gouvernement. Et ça, initiative, il y a malamu, mais bah, ça, là, on passe pacifiquement. Vous ne voyez pas, en quelque sorte, la population se sent trahir par rapport à la dernière rencontre où Salama qui, dans Burundi, dont le chef de l'État n'a pas demandé le retrait total à Bahi, force régionale. La population ne se sent pas trahir, le chef de l'État, qui va continuer, mission à Bongo, dans l'extrême partie du Congo. Non, le problème n'est pas là. La population n'est pas trahie parce que. Okay. Force régionale a yé pour nous protéger la population. Très bien. La population n'est pas trahie. Mais au contraire, bah, ennemi baza ko vivre na kati ya population. Ce qui est population et yébi, qui est nga yin de ko Fabrice peut-être nazali terroriste ya M23, bah oui ko founda malamoro na nzele à la police, ya force de sécurité pour baïba au Kangabango. Mais malheureusement, au Komona, bande konyon se bazali coopéré tout autour ya. Il y a province, il y a Grand Est. Population paye bibango, mais il y a un peu de mais même population, tant que tu as un peu de temps, et au la même population est bimi pour nous faire la marche. Marche, c'est ali malam. Mais qu'on dénonce un ennemi auprès de l'armée, il y a la police. Ils allaient coller kakoutou malam pour la sécurité à même population. Toujours dans cette population n'est pas très. Il y a bah il marche tout le monde qui suit son Niragon, on a bah il population parce qu'elle qui marche anti Monusco, on a enregistré 3 mois. Vous vous sentez pas que la population congolaise est de plus en plus en danger en face il y a bah il étranger bah aussi là qu'on voit qui mène à est à la partie du Congo. Bon, nécessairement bango baroi côté a vraiment qui mène parce que moni dans relations internationales. Bah, état bah vivaka na rapport de force. Et les lots, par exemple, dans le cadre de Monusco,
Bah, soldats basali na kati ya MONUSCO wana bien que basali na organe ezali ya Nations Unies mais bah soldats ya ba état o ezali na kati wana bah vivaka ba bénéficiaka et nous ne pouvons pas accepter à kofuta ka bangombongo ebele et bangomba ba ko sécuriser population té parce que population civile a oui ko ça la marche té aye ba ko zoa massa sito ba bal perdi même population bino boye ko protéger ba kufa. Biso to oyiko tika ba kongole ba kufate to oyipe kondi mate kongoma ni moko akufa pona pona ba intérêt ya bato mususu mais population ezoane conscience ba criminel to ba terroriste wana bisika ba zali parce que bazali na kati ya population et aider la police et ba ko démanteler bango ba kanga bango lelo ko mona ceux qui policiers zali ko ya na teni. Ceux qui ont salaki mabe au moni au côté les mawanate au kokima mais ceux qui azali courir en civil au kosololanae malamu mais au ébité qui azali population tout azali policier donc ezali oyo ba terroriste ya M23 bazali ko sala bango bazali courir na kati ya population bazali kozwa information ba s'infiltrer loko la population et na kati ba marche na bazali bango nde batu bazali ko sala ba biomana ozali koyoka na marche yayi autant ba buki boye ba ibi boye se sente vi ke baza infiltré na kati ya population et population a ebité na na e marche et pona ko sala boye na na e ko sala boye c'est-à-dire ezali question moko population e ba ko zwa conscience et dénoncer mouna o ezali kati na bango auprès ya force de sécurité po ba ko tia bango maboko ki me kota. Très bien, mon amour, je suis comme on a souhaité émission, mais toujours aussi cette émission, c'est ce que tu bêtis ma cambo et que ça la vraiment chronique politique, t'es naï, démocratie du Congo, tout comme on a l'ancien premier ministre, mon amour, comme à tête à pognon, beaucoup de monde en a l'actuel ministre et à finance, Nicolas Kazadi, concernant ma cambo et Sali Barreto Commission, le ministre et à finance. L'actuel ministre de la Finance, Asil Kosenga, na matata ponya si le repas va preuve finale, ça repas va preuve dans 72 heures aussi le retard du registre. Est-ce qu'il n'y a pas de dossier derrière la carte que si la combat ma kuna va sur Robin Sakara ma kambo était la retour commission. Parce qu'on doit rappeler que matata ponya il a été avant d'être premier ministre et il a été ministre de la Finance à République du Congo. Mais non, moi namboka matata ponya. Non, ministre Nicolas Kazadi. Ce qui m'attend à préférer qu'on résoudre peut-être problème naïe sur le plan médiatique et à cause de la réponse, au droit de réponse sur le plan médiatique. Très bien. Ils allient dossier, ce qui est à un dossier, non, ministère. Ministère, ils allient à Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi est un représentant du ministère, mais au contraire, ministère, il y a le gouvernement congolais. Il y a des voies possibles où il y a un Koluka pour avoir peut-être. Parce que le ministre de Finance a Kolobaki, si ma tata s'il comprend dire, il va prévenir, il va le traduire en justice. Pour encore un autre dossier, tu veux dire comment un autre dossier pour Kangalonjo. Et c'est là que moi, ça va flou jusque-là, va établir ma raison. Est-ce qu'il n'y a pas de dossier derrière cette affaire moi. Non, derrière l'affaire, il n'y a pas un problème. Mais ce qui m'a tata à mon que non, à Zanaba Prève, il n'y a qu'à prouver. Et les loyaux, ce qui Nicolas Kazadi a lobby, a brandi et bah, Prève, ce qui est allé t'arrêter à remettre en justice. Oui, c'est sa réputation. Ils allaient. Par exemple, Matata, Azali Kosal et la réputation et ministre des Finances Mabe, aussi longtemps que peut-être y est Azali dans Katia dossier Wanate. Makambo est allé membre du gouvernement, Azali dans la procédure et à résoudre en haut. A quoi résoudre en haut dans Zela et la télévision T. On a Azali baise inutile parce que les lots qui m'ont été fondés dans la justice, au Kogi, on a se faire justice devant caméra terre, mais il y a aussi moi qui est devant juge. Ceux qui sont devant juge, ceux qui ont payé sur raison. Et vous allez malam. Ceux qui ont payé sur raison, ils sont condamnés au pays Bolok. Mais au moins, les politiciens congolais, comment le système est à baisse, avant qu'il y ait la justice, il fallait les canons en télévision. À ça, la baisse, et tout le monde, ceux qui sont alignés, mais en réalité, ils allaient bon côté. Tout ce qui est instrumentalisé, ils et donc, acteur politique qui est réuni démocratie du Congo, tu as la climat politique qui est en bocana, acteur politique, la biseau. Au moins, on a un
Mais bactère, nous avons les acteurs politiques oyo bakokili sous te kolobe la mboka. À mon avis, bakokili politique bakokili kolobe la mboka. Oui, même c'est par exemple, même ceux de l'UDPS aussi. Par exemple, dans le bien bah acteur en général, okay. Na République démocratique. Même oyo famille politique na oyo bakokili kolobe la sous mboka. Même oyo famille politique. Par exemple, bactère politique oyo bakanga bango to bazali soupçonné na makambo etali détournement ya fonds publics ya ba congolais ezali bato ba congolais ba koyi kolanda bango lisusu bato yo bazali ba yiba mbongo ya république pona ba intérêt personnel na bango congolais oyi su côté la matoité congolais oyi su côté la moté maté ezali na ba acteurs politiques mususu oyo ba sala intérêt général et comment intérêt personnel. Très bien. Nous voulons les acteurs politiques oyo bazali ko que ça l'intérêt général pour la nation et non l'intérêt individuel pour sa poche. Très bien. Bato ba salé la poche boyoka ba ngona ni. Boyoka bato bazali pona intérêt général parce que na intérêt général ezali l'état, ezali population na kati. Mais na intérêt personnel ezali kanya ka ya poche na yi. Arope sa biso exemple ni. Mutu ya bongo pe sa ye confiance pour asala esusuni. Abo mamboka. Mboka ezali pona bato ba ya kobomate. Mboka ezali pona bato bazali na conscience ya malamu. Bato ba yiba boyoka bango lisusu te. Bato pe ba détourna mbongo ya ba congolais. Bo pesa bango lisusu matoyité. Bo pesa bango pe chance te parce que la République ne se gère pas pona chance. Très bien, la République ne se gère pas pona chance. Wana ezali maloba ya mwana mboka Fabrice Belanga, il est juriste mais aussi membre de l'UDPS. Et une des choses qui est opportunité de tenir ma gambo étalie politique, et à mon amour, à Tokomina Souka, plus de 151 000 abonnés, parce que ce coach est à travers notre chaîne Congolais de télévision. Message, je n'ai pas fait ça, mais au bas, au tableau, c'est quoi? Message, je n'ai pas fait ça, mais à Congolais de télévision, je Congolais, ils ont message à paix, à Kimian, tous à la Nakimian, tous dénoncer, bah, ennemi, bah, terroriste, bah, Zali, Kat, Nabiso. Ba terroriste wana bazate kaka na armée et baza na presque na domaine nyonso bazali wana to dénoncer bango ba infiltré oyo bazali ko sala po na ba intérêt ya bato mususu et non po na intérêt ya mboka to dénoncer bango est ya république bande ko na biso nyonso boza kuna toza de kerr na bino ki me kokota malgré Paul Kagame na ba terroriste na ye bazali ko continuer opération na bango et phare des CP qui va co déloger bango guerre et co oumela mais qui met rose à la libé là donc ensemble nous allons faire un choix judiciaire ouais les amis madobasuka y a moi namboka Fabrice Belanga juriste y a bien voici du con mais aussi cadre il est pas si il n'est toujours que opportunité Robert Makambo Italie politique yamboka moi namboka matondi mingi merci de rejoindre. We'll be right back.